fera pas les réactionnaires, je vous rassure, mais c'est vrai que les Mario, c'était un peu mieux avant. C'est pas forcément vrai, vous le verrez par la suite du VG. Et oui, on commence ce VG par un item qui aurait pu être le coup de fusil, mais sans rapport avec le court-métrage, forcément. C'est le Super Mario All-Star sur Wii, sorti pour les 25 ans de Mario, ça fait super plaisir. La version collector presque complète. Donc ce Super Mario All-Star reprend le Super Mario Bros. 1, le 2, le 3 et Lost Level, qui était en fait le Super Mario Bros. 2 au Japon. Une version en fait plus hardcore, qui est vraiment vraiment cool à faire si on aime le challenge. On est presque sur une version émulation, parce que graphiquement, ils ont voulu vraiment respecter l'original, donc ça change pas beaucoup. Ce qui change, c'est qu'on peut sauvegarder à tout moment. Donc vraiment, ça fait penser à de l'émulation, c'est plutôt cool. Ce qui est cool, c'est que malgré le fait qu'on n'ait pas le fourreau, parce que oui, il y avait un magnifique fourreau, bah on a la version collector en complet, à savoir le jeu sur Wii, forcément, complet, ainsi que le boîtier DVD rouge, qui en fait comprend à l'intérieur le CD et le livret. Alors je trouve ça vraiment classe que le livret est très beau. Ça reprend l'histoire de Super Mario de 1985, donc le début de Mario à 2010, donc les 25 ans comme je vous l'ai dit. Le CD audio est magnifique, doré. Il s'appelle Super Mario History, donc pareil, soundtrack, CD audio. Ce CD est vraiment cool, je vous en reparle juste après. Et en plus, je trouve que franchement, ça a beaucoup beaucoup de gueule avec la NES en premier plan, le Super Mario derrière sur une télé cathodique en flou, avec la manette de NES qui est culte ici, mais même les cartouches et tout. Je trouve ça vraiment vraiment très joli. Ce CD audio est vraiment cool parce qu'il rend hommage à Koji Kondo qui est le créateur de la musique originale de Mario. Un CD audio avec une dizaine de titres qui rend hommage forcément au thème des différents Mario, hein, des premiers Mario jusqu'à Mario Galaxy, c'est ça qui est cool. Avec même des versions symphoniques, donc franchement ça envoie grave du rêve à écouter, ça c'est trop cool. Ça rappelle beaucoup beaucoup de souvenirs, donc je suis très très content de pouvoir posséder cette version collector qui est aujourd'hui, hein, introuvable. C'est vraiment très très difficile parce que je pense qu'il y a eu très très peu de pièces sur le marché, donc forcément bah ça en fait sa rareté et ça en fait aussi sa valeur. Donc cette version collector de Super Mario All-Star, qu'on est ultra heureux forcément de rentrer dans la collection, eh bien nous avons réussi à l'avoir pour 8€. Il était annoncé à 10, je vous avoue que je connaissais pas trop sa valeur, donc je me suis permis de négocier un petit peu, et donc on a réussi à le baisser de 2 petits euros, ça fait plaisir, et donc voilà, on est très très ravis, et on a hâte d'écouter ce petit CD audio, et donc surtout de pouvoir se faire les anciens Mario sur la Wii. Je vais continuer sur du Mario, toujours, donc nous on a trouvé un petit lot de deux jeux de Mario. Le premier, il s'agit de Mario Kart sur Wii, c'est le sixième opus de la série. Elle est sortie sur toutes les consoles, de la Super Nintendo jusqu'à la 3DS Wii U aujourd'hui, et elle est sortie également sur borne d'arcade, partout partout, c'est une série à pas manquer. Ce jeu, c'est un jeu de karting où il y a 12 participants, donc quand je dis 12 participants, c'est 11 autres personnages qui jouent avec vous. Après, vous pouvez toujours jouer avec des amis, comme c'est la Wii, hein, avec d'autres manettes, tout ça. Et vous avez aussi le jeu en Wi-Fi, qui est une nouveauté où vous pouvez jouer avec des participants du monde entier. Une deuxième nouveauté sur cet opus, c'est que vous pouvez jouer avec des motos, ce qui rend le jeu un petit peu plus difficile au niveau des contrôles, surtout les motos sont un petit peu plus compliquées à manier. Avec ce jeu, on a eu deux volants, donc un officiel et un Big Ben, donc les réplicas des volants pour le Mario Kart sur Wii. Et ce jeu, malheureusement, n'est pas complet. Donc il était annoncé à 5€, mais on a eu un prix de lot que je vous annoncerai à la fin. Le deuxième jeu Mario que je vais vous présenter, Saran, lui, il avait le Super Mario Bros. 1, 2, 3. Et moi, c'est le New sur Wii que je vous présente. C'est un jeu de plateforme comme tous les autres Mario Bros en 2D, mais la nouveauté, c'est que vous pouvez jouer à 4 et simultanément. Vous devez vous aider à 4 pour passer des niveaux, donc il y en a une cinquantaine à peu près. Vous pouvez toujours jouer tout seul, mais c'est plus marrant à plusieurs quand même. La nouveauté aussi dans ce New Super Mario Bros, c'est que vous avez des nouveaux costumes, donc des nouveaux pouvoirs. C'est super génial, vous avez plein de choses à explorer, plein de choses à tester. C'est vraiment super cool. On l'a payé 5€ aussi, il est en complet, mais forcément, je vous ai dit qu'on l'avait négocié. Les deux, on les a négociés à 8€. Donc vraiment super super contente. On continue avec Mario, c'est la folie des Mario, c'est trop cool. Très très content de rentrer le Super Mario Galaxy sur Wii. Et oui, nous l'avions pas. C'est assez ouf de pas l'avoir dans sa collection, mais on l'avait jamais trouvé en vide-grenier, en tout cas à bon prix. Alors là, on le rentre en Nintendo Select, vous le voyez, c'est pas très grave, puisque de toute façon, il est complet. Et donc Super Mario Galaxy, le fameux platformer 3D qui fait évoluer Mario cette fois-ci dans l'espace, d'où sa couverture magnifique en plus. Vraiment trop trop chouette avec le Mario comme ça là. Le but du jeu dans cet opus est de récolter les 120 étoiles, ça fait beaucoup, disséminées dans tout le monde, sur les astres, les astéroïdes, sur les planètes, un petit peu partout. Ce qui est excellent avec ce Super Mario Galaxy, c'est que ça fait référence à Mario 64 dans les mouvements et tout. On retrouve beaucoup, beaucoup des acrobaties, de la gestuelle de Mario. Ça fait très plaisir puisque c'était le premier platformer 3D Mario. Forcément, il est culte dans la tête des gens. Moi, mon Mario platformer 3D culte, c'est le Super Mario Sunshine, mais bon, peu importe, le Mario 64 était excellent. Ce qui est vachement chouette aussi, c'est qu'il y a plein d'univers différents, plein de décors différents,
Dû au fait qu'on soit sur plein de planètes différentes, forcément on peut se le permettre. Et en plus on retrouve plein de références cachées, ça je vous laisse la surprise, aux anciens Mario. Le jeu est super long, de base, vraiment. Et en plus il y a une rejouabilité, comme dans beaucoup de Mario, grâce à plein de trucs cachés, d'objets cachés, avec une histoire de Luigi, hein, quand on a fini le jeu, mais ça je vous spoil pas si vous l'avez pas fait. Un petit point cool en plus, c'est qu'il y a un mode multijoueur sur la Wii, ça fait plaisir. Ça peut être cool, hein, franchement, de jouer à deux sur ce jeu-là. Bon, vous l'avez compris avec la description que j'ai fait de ce Mario, son successeur c'est le Super Mario Odyssey. C'est pas le même délire de l'espace, mais on est sur des univers variés, avec plein de références aux anciens Mario, plein de choses comme ça, forcément ça y fait penser. Mais je profite de vous présenter celui-ci pour vous dire que bah le Super Mario Odyssey lui arrive pas à la cheville quand même. Hein. Le Super Mario Galaxy reste une œuvre d'art et restera culte à mon avis dans la saga des Mario. Et je sais pas si un Super Mario 3D arrivera un jour à l'égaler. En tout cas on est forcément ultra ravis, enfin, oui enfin, de le rentrer dans la collection. Parce que mince quoi, ça fait très longtemps que j'y ai pas joué à celui-ci. Il était annoncé à 5€ et... sans avoir besoin de négocier, voilà, le jeu est descendu à 4 tout seul, donc ça fait plaisir. 4€ pour ce Super Mario Galaxy. Maintenant, stop les Mario, hein, y'en a ras-le-bol. On va passer sur quelque chose de plus courant dans nos VG, surtout. C'est une peluche de Mika, je vais reculer pour que vous puissiez la voir, parce qu'on n'a pas pu faire de photo comme elle est beaucoup trop grosse. Elle mesure 70 cm, pour vous dire. Et elle m'arrive jusque la taille, en fait. Elle est toute douce. Et comme vous pouvez voir sur les côtés, elle a des petits boutons à chaque articulation. Donc ça fait un peu un Mickey pantin en fait, et c'est tout mignon. Elle a une couleur pas très commune, un peu sépia, mais qui est très très jolie. Ça l'a vieilli un peu, mais c'est vraiment adorable, et c'est pour ça que j'ai craqué dessus, parce qu'elle est vraiment jolie. À la base, elle était annoncée à 10€, et j'ai réussi à la négocier à 8. Donc je remercie beaucoup la dame qui m'a bien voulu me la vendre à 8, parce que je suis très contente. Kawaii! Qu'est-ce qu'on est bon dans les transitions, peluche, machin truc. Epic Mickey, le retour des héros. Jeu cultissime à voir la suite du Epic Mickey premier du nom, jeu imaginé quand même par le créateur de Deus Ex, pas n'importe qui. Et oui, la suite de Epic Mickey, ce fameux jeu d'aventure 3D de chez Disney, forcément, mais qui malgré son côté Mickey, qui fait penser forcément à l'univers enfantin, et bah reste vachement dark, malsain parfois, une ambiance très sombre qui est vraiment vraiment cool, parce qu'on est quand même sur un background, sur le 2 et sur le 1, d'un enlèvement, Mickey qui s'est fait enlever et qui doit réussir à s'échapper d'un univers ultra glauque quoi, donc on est un peu loin des Disney classiques. La grosse nouveauté du 2, vous le voyez sur la couverture normalement là, c'est qu'on est plus tout seul, on est accompagné de Oswald. Donc, qui dit plus tout seul, dit intelligence artificielle, oui si on veut, mais surtout, gameplay à deux, on peut faire l'aventure à deux, ça c'est trop cool, on n'arrête pas de trouver des jeux qu'on peut faire à deux, et ça je suis content parce que sans ça j'aime bien jouer avec elle, vous voyez. Pour revenir très rapidement sur le gameplay, en fait on est sur le même délire que le 1, si vous le connaissez pas en fait je résume très très succinctement, en fait on s'échappe de ce monde malsain en dessinant grâce à son pinceau. La nouveauté encore une fois du 2 c'est Oswald, hein, ce deuxième personnage qui rajoute en fait des nouvelles manières de dessiner et surtout des combos qui sont vraiment cool. Pour moi ce deuxième opus est meilleur que le Epic Mickey premier du nom qui pourtant déjà lui était élevé au rang d'icône du jeu vidéo, ne serait-ce que pour ses décors encore plus travaillés, ses ambiances lumineuses qui sont vraiment chouettes, les références constantes aux autres dessins animés qui voilà peuvent être vraiment cool quand on connaît les autres Disney, et surtout la bande son. Et ouais, une bande son extraordinaire composée par l'excellentissime Jim Dooley qui réalise ici une musique très bande originale de film, je trouve, qui rajoute une ambiance presque comédie musicale puisque les dialogues des personnages sont intégrés dans la musique, c'est assez particulier, faut le vivre en fait, faut jouer au jeu pour comprendre, mais ça rajoute vraiment un côté un peu dessin animé à l'ancienne qui est vraiment vraiment chouette. À noter une version française au top, c'est plutôt rare dans un jeu vidéo, mais là les doublages sont cool, donc bah pourquoi pas en profiter en français. Bon, ce Epic Mickey, le retour des héros, si vous avez suivi un peu la chaîne, on l'avait trouvé sur PS Vita. On s'est fait plaisir en le reprenant sur Wii, on a hésité hein, pour le coup, parce qu'on se dit on va peut-être pas prendre le jeu sur plusieurs plateformes, ça sert à rien, mais après réflexion, on a bien fait, puisque la version Wii nous permet de jouer à deux sur une seule console, forcément, et si on avait voulu le faire à deux sur PS Vita, eh bien il aurait fallu une deuxième PS Vita et un deuxième jeu PS Vita, donc c'est sympa, encore un jeu que je vais pouvoir faire avec Sandar, bah ouais. Le jeu est complet, of course, et nous l'avons payé 5€ sans négociation, parce que c'est un très bon prix, je trouve, pour un titre d'excellente qualité à avoir dans sa ludothèque. Je continue sur du jeu vidéo avec un jeu très 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 connu, sport. En ce moment, Sansan, elle le fait sur PC, alors ça peut être marrant, donc on peut comparer nos créatures après, ça serait sympathique. Ça a été développé par Maxis, qui ont développé les Sims. Ce jeu, vous inventez une créature, du début, son existence à la fin, mais vraiment comme si la Terre avait jamais existé, c'est-à-dire un microbe au début, et après ça devient un putain de colosse. Le but, c'est vraiment de faire évoluer sa créature, de la civiliser, quoi, en sorte, de créer une civilisation, de s'adapter aux autres espèces. Vous pouvez soit être pacifiste, soit cannibale, un peu comme joueur du grenier, il a fait un test sur le jeu PC, lui, où il a fait une race de ouf cannibale qui bouffe tout le monde et putain de guerrier. C'est très très drôle d'ailleurs. Dans cet opus sur DS, il y a un mode multi où vous pouvez jouer à deux joueurs et changer vos créatures pour en avoir des nouvelles dans votre base. Ce jeu est pas forcément bien sur DS, forcément, et on retrouve pas les mêmes mécaniques que sur PC, mais il reste quand même un bon jeu, ça reste quand même un sport quoi. Ce titre était annoncé à 8€, donc c'est quand même assez cher pour un jeu de DS, on l'a négocié à 6, ça reste
assez élevé comme prix. Mais bon, c'est un sport et c'est un jeu sur DS qu'on ne voit jamais envie de grogner, donc on était très contents. Et ce jeu est complet en plus. On continue avec un jeu de sport ! FIFA Street 2 sur GameCube. Un nouvel opus dans la collection GameCube, ça fait plaisir. Et oui, je n'avais que le FIFA Street premier du nom, donc je suis content de rentrer ce 2. Il est complet, mais la boîte est carrément défoncée, c'est un truc de ouf. Sur Ludexo, ça se sera complet, mauvais état. Parce que oui, on vous rappelle qu'on a une collection Ludexo. Les gens, allez voir, hein, si vous voulez, c'est en description, c'est cool. Comme ça, vous voyez ce qu'on a, comme ça, vous nous envoyez tous les jeux qui nous manquent. Cet opus est sorti presque un an, jour pour jour, après le premier. Et forcément, ils se sont dépêchés de le sortir, vu le succès du premier. Et d'ailleurs, ils n'ont pas changé grand chose au premier, parce que c'était une recette qui marche. Forcément, les joueurs changent, hein, les joueurs présents. Là, vous voyez, on a un magnifique Ronaldo, plutôt beau gosse, alors que sur le premier on avait un Ronaldinho, donc la couverture est plus belle, alors que c'est la même, hein, mais c'est juste que le mec est plus beau gosse. Ce qui est rajouté en plus au niveau gameplay, c'est un nouveau truc, le Game Breaker. En fait, ça permet de gagner la partie avant la fin du temps imparti, sans parler du nombre de buts, en dribblant 3 joueurs et en marquant à la suite. C'est un petit truc de gameplay en plus, qui peut être cool, qui peut renverser une partie, hein, qu'on perd, hein, genre un 10-0, t'arrives, tu fais ton truc, bam, tu gagnes, mon gars. C'est cool. Par contre, ils ont enlevé les commentaires audio, qui étaient vraiment cool. Moi, j'aimais bien les commentaires audio dans le premier. En plus, c'était vraiment drôle pour le coup. C'était vraiment décalé, et c'est d'ailleurs le principe de FIFA Street 2, hein, c'est que on est loin d'un FIFA. Je reviens vite fait si vous connaissez pas. En fait, c'est du football street sur des petits terrains où tout est permis. On peut un peu faire des trucs un peu bâtards, genre des gros tacles où tu fais tomber l'autre, les fautes. Vraiment, des fois, tu fais des trucs à répétition et personne ne siffle les fautes parce que les arbitres ils sont pas là. Et du coup, forcément, les commentaires vont avec. Bon, rien de plus à vous dire sur ce FIFA Street 2. C'est connu pour être une référence, forcément. C'est un très bon jeu en tout cas, en soirée, pour s'éclater et pour s'engueuler. Ça, je vous le dis. Un nouveau jeu qui rentre dans le futur full set GameCube. Ça fait plaisir. Il est défoncé, mais bon. Je l'ai eu à 2€. Maintenant, on va passer à des poupées. C'est pour Alès. Il aime bien les Barbies. C'est bien connu. Vous savez pas, c'est son petit secret. C'est des poupées de films très connus. La première, celle de Sauron, le grand méchant du Seigneur des Anneaux, celui qui a créé l'anneau et qui fait tout pour le retrouver parce que c'est son précieux. Et c'est bien connu, son œil en haut de la tour qui cherche éperdument son anneau précieux qu'il ne trouve pas. Cette poupée, je peux pas vous en dire plus, même si je vous présente le personnage, on n'a absolument rien trouvé dessus. Je peux pas vous dire grand chose, à part qu'elle lui manque une main. Elle reste très jolie quand même, avec une petite cape en tissu, très sympathique. La deuxième poupée, pareil, d'un film très connu, film Star Wars. Donc c'est la poupée de Qui-Gon Jinn du Star Wars La Menace Fantôme. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite vivement à aller voir les Star Wars, c'est le maître de Obi-Wan Kenobi qui prend sous son aile Anakin. Mais malheureusement, il se fait tuer à la fin de l'épisode 1 par Darth Maul. Mais je vous spoil pas, hein. Et puis c'est l'excellent Liam Neeson qui l'incarne, également connu pour avoir joué dans La Liste de Schindler, Batman Begins ou encore Taken. Il a également joué dans Battleship, l'excellent film qu'on a trouvé en steelbook, en VG, vous savez. Et encore, sur cette poupée, rien de plus à vous dire, c'est pareil, on n'a pas trouvé d'infos du tout celle-ci, donc si vous avez des infos, mettez-les dans les commentaires, ça nous intéresserait beaucoup. Ces deux poupées ont été payées 6€, très bon prix et très sympa à avoir dans la collection. C'est l'heure du coup de fusil, et le coup de fusil, il est dédicacé à Sans. C'est pour elle qu'on l'a mis en coup de fusil. C'est un lot de jeux Tomb Raider sur PS2, en excellent état, c'est ça qui est hallucinant. On commence avec le Lara Croft Tomb Raider Legend, le premier Tomb Raider développé par Crystal Dynamics, ah oui, après l'éviction de Core Design, malheureusement. Ce super éditeur britannique, hein, qui avait travaillé sur tous les autres opus, parce que là, on est sur le 7e opus de la saga. Je vous le dis maintenant, il est complet avec le fameux carnet de route. Ce n'est pas un livre, c'est un carnet de route. Oui, puisque Lara Croft est une aventurière archéologue qui voyage énormément. Ce Lara Croft Tomb Raider Legend, pour moi, je vais vous le dire direct, c'est une réussite. Le jeu, déjà, il est beau de ouf. Après, forcément, les derniers opus de Core Design, là, ils sont arrivés avec un truc vachement plus maniable, ça fait plaisir. Dans cet opus, là, vite fait, le pitch, hein, très très succinct, encore une fois, parce que le pitch, on s'en fout un peu. En fait, Lara, là, elle est à la recherche d'une arme, hein, qui peut rétablir la paix dans le monde, donc c'est pas n'importe quoi, hein, toujours des trucs de ouf, hein, franchement, alors que c'est un espèce de truc en pierre, hein, comme d'habitude, dégueulasse. On est là sur une Lara Croft plus moderne, hein, contrairement aux anciens opus. Elle travaille plus seule, hein, elle a un espèce de truc où elle parle tout le temps avec son équipe en mode « Oui, Michel ». Ça me fait penser un peu à Splinter Cell avec Sam qui est là « Ouais, machine, dis-moi pour truc, ouais, vas-y, va là, et tout, c'est cool ». Elle a un espèce de truc aussi, bon, je vous en parlerai plus tard, mais qui l'aide à résoudre des énigmes, un espèce de PDA dégueulasse, un peu bizarre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait suite au film avec Angelina Jolie, donc forcément, ils étaient obligés de faire un truc un peu plus moderne. Ça avait été instauré dans les films. Ça aurait été bizarre de revenir en arrière. Avec ce Tomb Raider Legend, on est clairement parti vers un côté plus cinéma, plus cinématique, plus simple même, plus action en fait, avec des vrais combats cool. Par contre, le côté exploration est un peu plus linéaire, moins compliqué au niveau de l'architecture des niveaux, et les énigmes surtout sont plus simples, grâce à ce module d'analyse en fait, c'est comme ça qu'il s'appelle le pad. En fait, on n'est pas obligé de l'utiliser au pire, donc si on l'utilise pas, les énigmes, voilà, sont un poil plus complexes, mais c'est clairement pas le but, hein. C'est vraiment le côté cinématique, comme je vous l'ai dit, le côté look film avec des explosions de partout, qui font que cet opus devient épique. Donc le jeu est un peu court, un peu simple, mais bon, si on a la volonté de terminer tous les trucs secondaires, hein, qui sont chers à Crystal Dynamics, ils aiment bien mettre plein de petits objets cachés, des trucs comme ça, et ben ça rajoute de la durée de vie, hein.
quand on est fan de Tomb Raider, du coup, bah on le fait à 100% forcément. Moi, ce titre, je l'aime beaucoup. J'aime bien la direction qu'a pris Crystal Dynamics. En plus, Eidos, ils ont eu l'intelligence de mettre Toby Gard, le créateur de Lara Croft, sur le projet. Donc, je trouve que l'essence de Tomb Raider, l'essence originale, est là. Et le deuxième titre de solo de ce coup de fusil, c'est aussi un jeu PS2, c'est aussi un jeu Tomb Raider, comme je vous l'ai dit, c'est Lara Croft Tomb Raider Anniversary, c'est le jeu qui suit, toujours développé par Crystal Dynamics, et là, c'est cool. C'est encore plus cool, je trouve, parce que tout simplement, Anniversary, c'est un remake du premier. Encore un gros big up à Nico Bass, hein. S'il passe par là, on sait jamais, et puis de toute façon, voilà, je vous invite à aller voir les vidéos qu'on a fait sur son jeu, le remake du 2, hein, The Dagger of Xion, voilà, qui était vraiment excellent, hein, pour un fan game. Là, on est sur une version officielle, hein, remake du 1. Alors là, c'est un vrai remake, hein, c'est-à-dire que les décors sont les mêmes, tout ça. La progression de jeu a été un peu changée quand même, hein, parce qu'il y a eu l'ajout quand même du grappin, le grappin qui était d'ailleurs dans le titre d'avant. En fait, c'était la petite nouveauté de Crystal Dynamics de rajouter ce petit grappin magnétique. Donc forcément, il fallait changer l'architecture, parce que ça changeait certains trucs et certaines énigmes aussi. Il y a un autre ajout aussi, c'est la jauge, hein, de rage de combat. En fait, ça permet de faire des espèces de bullet time, en fait un peu à la Max Payne, je sais pas si vous connaissez le délire des jeux Max Payne, mais en fait c'est ça, c'est des ralentis tout le temps. Alors Max Payne en abuse clairement, mais c'est des ralentis qui nous permettent en fait de viser mieux et de faire les actions plus vite. Ce Tomb Raider Anniversary, il est cool parce qu'on retrouve forcément tout du 1. Les décors qui sont somptueux, qui plairont forcément aux anciens qui ont connu le premier, mais en tout cas avec un remake graphique magnifique et surtout des ambiances lumineuses mais incroyables. On retrouvera aussi les effets sonores des premiers, tout ça, plein de petites références aux anciens. Et les mouvements de Lara, hein, qui ont été hyper remaniés mais qui sont toujours les mêmes. Toujours sa même manière de marcher, de s'accrocher aux parois, tout ça, ça fait plaisir. Donc forcément, vous vous doutez que ce titre en particulier, on est content de le rentrer dans la collection, bah surtout pour Sandar, forcément, puisque bah voilà, c'est sa licence de jeu préférée. Elle, c'est plus le 3, sa petite Madeleine de Proust. En tout cas, voilà, c'est une bonne manière de refaire le 1 sans se taper le gameplay un petit peu raidou, on peut le dire. Hein. Je dis raidou pour être gentil, mais je pourrais dire un petit peu raide. Et puis les graphismes qui aujourd'hui piquent un peu l'œil, hein, je suis désolé, mais moi le jeu rétro, j'ai un peu du mal pour ça. Donc ces deux opus, les deux premiers opus de Crystal Dynamics, on est très content de les rentrer dans la collection. Les deux sont complets, je vous ai pas montré d'ailleurs le Anniversary, il est complet également. Les états sont incroyables, on est tombé vraiment sur le cul, parce qu'ils sont pour moi presque neufs. Il y a aucune rayure dessus, ni sur le CD, ni sur les jaquettes, hyper bien entreposés sûrement. Ils étaient annoncés à 5€ unité, et nous avons réussi à négocier les deux pour 8€. C'est pour ça qu'on le met en coup de fusil en plus. Pas forcément parce que c'est un prix incroyable, mais parce que vu l'état et vu les titres que c'est pour Sansan, eh bien ça nous faisait plaisir de les mettre en coup de fusil. Vraiment super cool les deux Tomb Raider, surtout pour Sansan qui est ultra fan de cette licence. J'espère que le vide-grenier vous a plu, que le court-métrage aussi, comme vos retours sont assez sympathiques. Si vous aimez bien ça, continuez à nous le dire, on en fera des encore meilleurs. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, des commentaires parce qu'on adore lire vos commentaires. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait et on vous fait de gros bisous.